Ali ma wuyɔ o na ye ne bane furuko nin ma kanu furu kɛra jago bolo ye a danbe bɛ banna. Classe, il y a combien de filles? 18. Il y a combien de garçons? 40. Mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme ça? Pourquoi il y a combien de filles? Parce que les gens pensent que la scolarisation des filles n'est pas importante. Quand tu veux parler. Très propre. Chef. Ah, merci bon. Beaucoup. Je m'appelle Koura Ben Malassi. Voilà, c'est moi le chef coutumier de Bereba. Moi avec Alison, on a travaillé 2 ans. Elle a courtoisé tout le monde. Et vraiment, elle a vu, elle a regardé aussi nos problèmes clés. Les problèmes clés ici, c'est quoi? C'est l'éducation. Sans l'éducation, rien ne peut marcher. Moi qui parle là, vous pouvez sentir ça dans mon français, je n'ai jamais allé à l'école. Nous aussi, en Afrique, on trouve que la femme doit être à côté de son mari, c'est pour préparer et mettre un enfant au monde, c'est ça. Elle a travaillé à ce que, à faire comprendre les hommes, non. La fille aussi peut réussir à l'école, elle peut faire beaucoup de choses aussi pour notre nation. Hi, my name is Allison Wallace, and I was a Peace Corps volunteer in Burkina Faso, in the village of Bereba, from 2010 to 2012. I mean, a lot of people just took me in and welcomed me, and I always thought to myself that, you know, once I have a career going, it'll be really easy to come back and give a little more. And, you know, even though scholarships are nice, I wish I could have given my host family a little bit more. Oh, Ajara and Afsatu, the older girls, they're a blast. It was really great to see how much they've developed and kind of after taking a step back and not seeing them for a while to come back and see that in fact they are developing as confident young women. Quand on a eu la bourse, on est plus joyeuse, quoi. Et puis la famille est contente. Puisque nos mères ne souffrent pas, c'est nos mères qui se débrouillaient pour payer les frais de scolarité. Maintenant, on a eu la bourse, c'est bon. Et merci. Vos filles ont rempli les applications et puis maintenant elles ont des bourses et elles sont toujours à l'école. Ça a des bonnes nouvelles. Avant on ne savait pas si les bourses étaient pour 1 année ou 2 années ou combien de temps. Maintenant on peut dire, on peut confirmer que les donateurs ont décidé de donner les bourses jusqu'à la durée de l'école. Je vais devenir imprimière. C'est ça que ta mère a dit. C'est ça que moi je veux. C'est elle, elle veut que. Ah, elle aussi, elle veut ça. Mais il soit jour. Il soit jour. Oui. Pour devenir grande personne, quoi. Avoir de l'argent, les aider aussi, pour les la famille.